بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحسين ابن سيلم était un rabbin juif à Médine qui était très respecté par les gens de la ville, même ceux qui n'étaient pas juifs. Il était connu pour sa piété et sa bonté, sa droiture et sa véracité. Al-Hussein a vécu une vie paisible et douce, mais il était sérieux et organisé dans la gestion de son temps. Chaque jour, il passait du temps à faire des adorations, à enseigner la religion et à prêcher dans le temple. Il passait aussi du temps dans son verger pour prendre soin des palmiers de dattes ou pour tailler certains arbres. Par la suite, il s'est consacré à l'étude de la Torah pour augmenter et améliorer ses connaissances en religion. Pendant qu'il étudiait la Torah, il a été très marqué par certains versets qui parlaient de la venue d'un prophète, qui viendrait pour compléter le message des anciens prophètes. Al-Hussein a donc pris très au sérieux l'apparition du nouveau prophète à la Mecque, l'apparition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hussein a dit: quand j'ai entendu parler de l'apparition du messager d'Allah, j'ai commencé à me renseigner sur son nom, sa généalogie, ses caractéristiques, et j'ai commencé à comparer ces informations avec ce qui était contenu dans nos livres. À partir de ces enquêtes, j'étais convaincu que c'était bel et bien le prophète d'Allah. Cependant, je ne l'ai pas dit aux juifs, j'ai tenu ma langue. Puis, vint le jour où le prophète a quitté la Mecque pour se diriger vers Médine. Quand il est arrivé et s'est arrêté à Quba, un homme s'est précipité dans la ville en criant aux gens et en annonçant l'arrivée du prophète. À ce moment-là, j'étais en haut d'un palmier en train de travailler. Ma tante était assise sous le palmier. En entendant cette nouvelle, j'ai crié « Allahu Akbar! Allahu Akbar !» Quand ma tante a entendu mon takbir, elle s'est plaint en me disant « Que Dieu te prive! Par Dieu, si tu avais entendu que Moïse était venu, tu n'aurais pas été aussi content !» Je lui ai dit « Mais ma tante, par Dieu, il est vraiment le frère de Moïse. Il suit sa religion. » Et il a été envoyé avec la même mission que Moïse. Alors, elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Est-il le prophète dont tu nous avais parlé? Le prophète qui serait envoyé pour confirmer la vérité prêchée par les précédents prophètes? Le prophète qui est venu compléter le message de son Seigneur ?» Je lui ai dit « Oui, c'est bien lui. » Alors, sans aucune hésitation, je suis allé à la rencontre du prophète. Devant sa porte, j'ai vu une foule de gens. Je me suis alors frayé un chemin dans la foule jusqu'à ce que j'entende les premiers mots du prophète. Je l'ai entendu dire « Ô gens, répandez la paix, partagez la nourriture, priez pendant la nuit alors que les gens dorment et vous entrerez au paradis en paix. » Subhanallah. Les trois premiers mots que ce compagnon a entendus de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la paix, le partage et la prière nocturne. Et où est-ce que ça mène ? Au paradis. Toi, mon frère, ma sœur, quand tu rencontres un frère ou une sœur pour la première fois, est-ce que tes premiers mots sont des mots de paix et de partage qui pourront te mener au paradis, ou est-ce que c'est des critiques, des jugements et des mauvais soupçons qui pourront te mener en enfer? La première fois que tu vois ton frère ou ta sœur, est-ce que tu le prends dans tes bras et tu lui dis que tu l'aimes pour Allah, ou est-ce que tu le renifles pour connaître l'odeur de son minhaj? Maintenant, regarde ce que ces mots ont provoqué. Le compagnon nous dit « J'ai regardé le messager de près, j'ai examiné son visage et j'étais convaincu que son visage n'était pas celui d'un imposteur. Je me suis rapproché de lui et j'ai dit « La ilaha illallah, Muhammadan Rasulallah. » À ce moment-là, le prophète s'est tourné vers moi et m'a demandé « Quel est ton nom ?» Je lui ai répondu « Al-Hussein ibn Saylam. » Il m'a dit « À partir d'aujourd'hui, ton nom est Abdullah ibn Salam. » Je lui ai dit « Oui, j'accepte, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Je ne veux pas avoir un autre nom après ce jour. » Je suis rentré chez moi et j'ai présenté l'islam à ma femme, mes enfants et le reste de ma famille. Ils ont tous accepté l'islam, y compris ma tante qui était âgée. Par contre, je leur ai conseillé de cacher notre conversion à l'islam aux autres juifs. Ensuite, je suis retourné auprès du prophète et lui ai dit « Ô messager d'Allah, les juifs sont un peuple qui a tendance à calomnier et mentir sur les autres. J'aimerais que tu invites leurs hommes les plus savants
pour te rencontrer. Pendant cette réunion, tu me cacheras dans une de tes chambres pour qu'ils ne me voient pas. Après les avoir invités à l'islam, pose-leur des questions sur moi, en leur demandant ce qu'ils feraient si je devenais musulman. Le prophète m'a alors caché dans l'une de ses chambres et a invité les savants juifs à lui rendre visite. Il les a invités à l'islam, alors ils ont commencé à le contester et à discuter avec lui au sujet de la vérité. Quand le prophète a vu qu'il n'était pas prêt à accepter l'islam, il a posé la question suivante. « Qui est Al-Hussein ibn Saylam pour vous ?» Ils dirent « C'est notre chef, le fils de notre chef. Il est notre rabbin et notre savant. Le fils de notre rabbin et notre savant. Si jamais il acceptait l'islam, accepteriez-vous l'islam vous aussi ?» demanda le prophète. Ils répondirent « Il n'accepterait jamais l'islam. Que Dieu le protège d'accepter l'islam. » À ce moment-là, je suis sorti devant eux et leur ai dit « Ô peuple juif, ayez conscience de l'existence de Dieu. Acceptez ce que Mohammed a apporté par Dieu. Vous savez certainement qu'il est le messager de Dieu et vous pouvez trouver son histoire, son nom et ses caractéristiques dans votre propre Torah. Pour ma part, je déclare qu'il est le messager de Dieu. J'ai foi en lui et je crois en son message. » Alors, les juifs se sont mis à crier en disant « C'est un menteur. On le connaît très bien. C'est un menteur. Par Dieu, tu es une personne mal et ignorante, le fils d'une personne mal et ignorante. » Et ils ont continué à mentir sur moi et à me calomnier. Al-Hussein ibn Saylam a approché l'islam avec une âme assoiffée de connaissances. Il était devenu Abdullah ibn Salam. Il était passionnément attaché au Coran et il passait beaucoup de temps à l'étudier en récitant ses versets sublimes. Il était profondément attaché au noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était constamment en sa compagnie. Une grande partie de son temps, il l'a passé à la mosquée, engagé dans les adorations, l'apprentissage et l'enseignement. Il était connu pour son parcours incroyable et pour son assiduité au cercle d'évocation des compagnons qui se réunissait régulièrement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Salam était connu parmi les compagnons comme un homme de Ahl al-Jannah, un homme du paradis, tout simplement parce qu'il a suivi le conseil de son messager qui était de tenir fermement à l'anse la plus solide, la corde la plus solide, qui est la croyance et la soumission totale à Allah. Mon frère, ma sœur, toi qui as délaissé ta religion pour les plaisirs de ce bas monde, toi qui délaisses la prière pour les chichas et les soirées, toi qui préfères traîner en bas des cités au lieu des mosquées, toi qui préfères obéir à ton supérieur au lieu de ton Seigneur en retirant le voile de la pudeur, sache que tu n'auras la réussite et le bonheur qu'en revenant vers Allah. Alors reviens, reviens. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.